Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de cette invitation des 24 heures du climat pour vous parler de la thématique de l'agriculture, de l'alimentation en lien avec le changement climatique. Mon nom est donc affiché, Jean-François Soussana. Je suis vice-président à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Paris. Et je suis également membre du Haut Conseil pour le climat et membre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Alors, pourquoi ce sujet est-il très important? Parce que l'un des impacts majeurs du changement climatique touche la production agricole, touche également les ressources en sol, les ressources en eau dont dépend cette production. Ceci dans un contexte où la population mondiale est en croissance, où la demande alimentaire croît fortement et donc se pose de manière accrue la question de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire de l'adéquation entre l'offre par la production et la demande par les consommateurs, ceci ayant lieu alors que l'insécurité alimentaire et les phénomènes de sous-nutrition chronique se sont accentués ces dernières années, tout particulièrement avec la crise du Covid, qui dans les pays pauvres a menacé les chaînes d'approvisionnement, a augmenté les prix et a donc entraîné une augmentation de la sous-nutrition. Nous sommes aussi dans un contexte où les événements climatiques extrêmes se multiplient, se traduisent par des pertes de récoltes. Alors on l'a vu en France, on l'a vu à plusieurs occasions, avec des pertes de rendement de l'ordre de 30% sur le blé, ceci dans des années récentes, en 2017, des pertes un petit peu moindres en 2020. Et on avait eu déjà ce type d'événement en 2003. Avec la grande canicule et la sécheresse qui avaient frappé la France, s'accompagnant de dommages pour la santé, mais aussi pour l'agriculture, avec ces très fortes pertes de récolte. Donc nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes déjà touchés, nous sommes aussi touchés par des événements de précipitation très fortes qui se traduisent par des sols qui sont inondés et donc par des pertes de récolte qui là aussi peuvent être tout à fait importantes. Malheureusement, toutes les projections nous indiquent que ces événements vont se renforcer au cours du temps, et ceci dans l'hypothèse où, évidemment, le réchauffement se poursuit sans que l'on puisse le maîtriser et donc sans que l'on puisse réduire nos émissions de gaz à effet de serre et stocker du carbone dans les sols. En effet, l'agriculture n'est pas seulement victime du changement climatique, elle en est aussi l'une des causes. Alors, l'une cause directe, via les émissions de gaz à effet de serre qu'elles provoquent. Alors, il faut rappeler que ce sont des émissions qui sont de l'ordre, lorsqu'on s'en tient au secteur agricole lui-même, de 15 à 20% du total des émissions anthropiques. Et lorsque l'on regarde plus largement, c'est-à-dire lorsqu'on inclut la déforestation qui est induite par l'agriculture, lorsque l'on inclut les émissions qui sont liées à l'alimentation dans toutes ses dimensions, donc en incluant par exemple le transport en amont, la synthèse des engrais azotés, le transport en aval, les activités industrielles, eh bien on atteint à peu près 30%, mettons un tiers pour simplifier, des émissions globales de gaz à effet de serre qui sont liées à notre alimentation. Donc vous voyez que l'agriculture est aussi une cause, et bien sûr l'enjeu c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit donc de méthane qui est produit par la fermentation entérique des ruminants, qui est lié également à la gestion des effluents d'élevage, qui est lié aux rizières, c'est quelque chose de relativement faible en France, mais qui est plus important évidemment en Asie par exemple. Et il y a aussi le protoxyde d'azote qui résulte de la fertilisation des sols agricoles, avec des émissions particulièrement fortes. Pour les engrais azotés de synthèse, qui ont aussi demandé des émissions en amont pour leur fabrication industrielle, alors que finalement les facteurs d'émission, tels que nous le montre le plus récent rapport du GIEC à ce sujet, sont relativement plus faibles pour les engrais organiques, qui résultent de la gestion des fumiers, des lisiers, mais aussi de matières organiques résiduaires, qui peuvent provenir, par exemple, de boues de stations d'épuration. Une fois que l'on a dit ça, eh bien, l'agriculture, elle est victime, elle est également source d'émissions,
mais elle est aussi source de solutions. En effet, nous avons dans le secteur agricole une possibilité importante, celle de stocker du carbone dans la matière organique des sols. Alors pourquoi ? Parce que les sols agricoles, historiquement, par les pratiques qui ont été mises en place, qui se traduisent par exemple par des sols qui restent à nu pendant toute une partie de l'hiver, eh bien ces sols, pendant qu'ils sont à nu, ils respirent, ils perdent du carbone, ce carbone est respiré, repart sous forme de CO2 vers l'atmosphère, et ce n'est qu'à condition d'avoir un couvert végétal que l'on peut équilibrer ces pertes, et donc plus le couvert végétal se prolonge, plus on a une chance de restocker du carbone dans ces sols qui historiquement en ont perdu beaucoup. Cette possibilité, nous l'avons explorée lors de la création de l'initiative dite 4 pour 1000, qui a été lancée par la France en 2015 lors de la COP21 à Paris, et qui indique une cible, une aspiration finalement, qui serait de stocker chaque année à hauteur de 0,4% du contenu en carbone des sols, donc augmenter ce contenu, ce stock de 0,4% par an, ce qui est une cible qui est possible techniquement, mais qui est évidemment difficile parce qu'elle suppose des changements de pratiques des agriculteurs, changements de pratiques qui reviennent à avoir un couvert bien plus continu sur les parcelles. Et ce couvert végétal continu, eh bien, il suppose par exemple de semer des cultures intermédiaires, de semer des prairies temporaires, ce qui a un coût pour l'agriculteur et ce qui permet par contre de restocker du carbone. Donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Comment limiter les impacts? Comment avoir une solution comme cette solution sur le carbone du sol? Mais il y en a d'autres, on peut réduire les émissions de méthane, on peut réduire le protoxyde d'azote. Et puis alors il faut prendre un peu de recul parce qu'il faut resituer ça dans le cadre des systèmes alimentaires. En effet, beaucoup d'options sont possibles également au niveau de l'alimentation et ces options, ce sont des options qui concernent la réduction des pertes et des gaspillages. Nous gaspillons pas loin d'un tiers des aliments. Alors, dans les pays développés comme la France, c'est essentiellement des gaspillages après la production, des gaspillages qui ont lieu dans la transformation, mais surtout ensuite en distribution et en consommation, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc on peut vraiment jouer sur ce levier-là. On peut jouer également sur des changements de régime alimentaire, puisque l'élevage est en fait un facteur important d'émissions de gaz à effet de serre, majoritaire lorsque l'on considère les émissions directes de l'élevage et les émissions indirectes par les cultures qui sont destinées à l'alimentation animale. Et donc, si on peut réduire la consommation de viande en respectant les préconisations qui sont celles de l'Organisation mondiale de la santé, donc en fait, en ayant des régimes alimentaires plus équilibrés, du point de vue de cette proportion de viande dans, et de lait, donc de produits animaux, dans les rations, si on revient vers un bon équilibre alimentaire, eh bien, on aurait des économies de gaz à effet de serre qui seraient considérables, qui permettraient de libérer des surfaces et de préserver des écosystèmes ou bien de produire des protéines végétales. Vous savez que la France est engagée aujourd'hui dans un vaste plan pour réduire la déforestation importée et précisément développer des protéines végétales qui seraient consommées par l'homme. Ce serait une source pour rééquilibrer les régimes et pour éviter la déforestation qui vient de ces aliments importés comme ceux comme le soja, qui est associé à la déforestation dans des pays d'Amérique latine. Donc vous voyez, beaucoup de leviers possibles, il y en a encore d'autres, il me reste je crois une minute, c'est le compte à rebours pour moi. Eh bien, on peut citer l'agroforesterie, qui est une manière d'associer l'arbre et l'agriculture, d'associer aussi l'élevage et l'agriculture, et qui est une manière en fait de restocker du carbone à la fois dans les sols et dans la biomasse. Puis je voudrais terminer sur l'agriculture biologique, pour dire que c'est aussi une option tout à fait importante à considérer dans ces transitions vers des compromis et des solutions pour le climat en agriculture et en alimentation. Merci. Et bien sûr, je serai heureux de répondre aux questions.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous retrouver donc pour cette première table ronde de la thématique agriculture et alimentation. Donc, comme l'a introduit Jean-François Soussana, l'agriculture et l'alimentation représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre et donc ont une grande responsabilité dans le changement climatique. On sait notamment qu'à l'échelle française, 24% des émissions de gaz à effet de serre des ménages français sont liés à l'alimentation et donc se pose effectivement la question de comment réduire ces émissions. Et donc pour en parler, nous avons donc Benoît Granier, responsable alimentation du réseau Action Climat, Alice Cotte, directrice communication et éditoriale à La Ruche qui dit oui, Nathalie Ponce, directrice générale adjointe de Havas Paris en charge de l'engagement et de l'inclusion, et enfin Michel Crouzet, député MODEM de Lyon. Et donc pour dresser un état des lieux des liens entre alimentation, agriculture et climat, je vais laisser la parole à Benoît Granier qui va nous en dire plus. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation aux 24 heures du climat. Donc je parlais au nom du réseau Action Climat, qui est donc une fédération, un réseau donc, qui fédère une trentaine d'associations environnementales et autres sur la question du climat. Et j'ai aussi préparé un petit PowerPoint pour les personnes qui voudraient suivre en parallèle donc, cette présentation. Voilà, je ne sais pas si c'est facilement accessible. Je mets ça dans le... donc, comme il est question donc, de l'assiette... je vais commencer donc par un bref panorama des impacts des composants de notre assiette sur notre environnement et sur le climat. Que c'est seulement avec ces informations en tête qu'on peut identifier les pratiques et les régimes alimentaires que les politiques publiques devraient promouvoir. Donc le premier point, c'est que comme l'indique la base de données Agribalise de l'ADEME, c'est vraiment l'étape de la production agricole de nos aliments qui représente la majorité des impacts. Donc si on regarde l'ensemble des impacts environnementaux, c'est 80 à 90% qui sont donc liés à cette phase de production agricole, donc bien devant le transport, par exemple, des aliments, qui est entre 5 à 10 %, ou encore la transformation, qui fait très peu aussi. Si on regarde plus précisément les gaz à effet de serre, donc on a déjà vu que l'alimentation, c'est à peu près 25 % de l'empreinte carbone des Français. Et si on regarde d'où viennent ces émissions, et bien à 67 %, donc les deux tiers environ, on est là aussi à la phase de production agricole avec... l'impact carbone qui est lié au transport des denrées alimentaires, qui est autour de 13% seulement. Donc, on se rend compte que manger local, c'est quelque chose qui est bien à beaucoup d'égards, mais que pour le climat, ce n'est pas suffisant, et que ce qui fait vraiment la différence, c'est le type de produit qu'on met dans l'assiette, donc du steak, de la viande, des légumineuses, des choux, etc., et aussi le mode de production de ces denrées. Et c'est là qu'il devient intéressant de regarder justement d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole français. Et là, on estime que c'est entre 75 à 80%, si on prend tout en compte, qui sont liés aux produits issus de l'élevage, donc les produits d'origine animale, viande, produits laitiers, etc., liés en particulier au méthane rejeté par le ruminant, aux émissions qui sont liées aux déjections animales, et à toute l'alimentation aussi qu'il faut cultiver, produire, etc., pour nourrir les animaux ensuite. Donc c'est pour ça que la littérature scientifique estime qu'un régime alimentaire qui serait compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré doit être à la fois assez pauvre en produits d'origine animale, privilégier les viandes et les produits laitiers issus d'élevage durable, donc élevage bio, en plein air, élevage extensif, être aussi riche en végétaux, donc des fruits, des légumes, des légumineuses comme les lentilles, comme les pois chiches, les céréales complètes et les fruits secs, et pour que l'assiette soit aussi durable sur les autres dimensions, pas uniquement climat, mais aussi biodiversité, santé des écosystèmes, etc., il faut aussi accroître la part de produits bio et issus de l'agroécologie. Alors, les chiffres varient selon les différentes études et les différents scénarios, mais toutes s'accordent sur le fait qu'il y a un besoin de baisser la consommation de viande en particulier, entre moins 50 et moins 80 % à horizon 2030 à 2050. Donc c'est quelque chose qui est assez important en quantité. Et la question qui se pose donc, c'est comment faire évoluer l'assiette des Français vers donc ce moins et mieux de produits d'origine animale. Et là, il est en effet important d'agir d'une part sur la demande de consommateurs et ensuite sur l'environnement alimentaire et l'offre alimentaire dans un deuxième temps.
Donc, si je reviens d'abord sur la question de la demande des consommateurs, ça implique avant tout que les Français aient une bonne connaissance de l'impact des produits qu'ils consomment sur l'environnement et sur le climat. Donc, ça passe par une meilleure éducation à l'alimentation, par des campagnes de communication de la part de l'État en ce sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de campagne de communication de la part de l'État français pour inciter à réduire la consommation de produits animaux. Mais aussi par un affichage des impacts écologiques des produits alimentaires qui montre clairement l'impact des produits animaux, surtout ceux issus d'élevage industriel, qui ont un impact bien plus fort que ceux issus d'élevage extensif. Donc, cette information elle est donc primordiale parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français ne connaissent pas bien le lien entre les aliments qu'ils achètent et l'impact carbone de leur alimentation et pensent plutôt que c'est la question des emballages ou du transport qui a le gros de l'impact, alors qu'on a vu plus de 2/3 de l'impact est lié plutôt au type de produit et en particulier aux produits d'origine animale. Donc, ces campagnes sont aussi importantes pour déconstruire les idées reçues selon lesquelles on aurait besoin de manger de la viande tous les jours pour être en bonne santé et aussi pour déconstruire les clichés sexistes qui associent la consommation de viande à la virilité. Mais pour faire évoluer le contenu de l'assiette, l'information, la communication sont loin d'être suffisants car il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent dans la composition de l'assiette et qui sont liés à ce qu'on appelle l'environnement alimentaire. Donc, les consommateurs aujourd'hui évoluent dans un environnement dans lequel les produits d'origine animale issus d'élevage industriel sont omniprésents et sont très peu chers, alors qu'à l'inverse, les produits issus d'élevage durable sont assez rares et beaucoup plus chers, en particulier la viande bio. Donc, c'est le cas dans les rayons des supermarchés, mais aussi dans les restaurants, dans les fast-foods, où l'immense majorité des plats proposés contiennent de la viande en grande quantité, très rarement issus d'élevage durable et en général très peu de plats sans viande. Pour la majorité des ménages, donc, l'information n'est pas suffisante. La plupart n'ont pas les moyens d'acheter de la viande bio et la plupart n'ont pas près de chez eux des lieux de distribution qui proposent des rayons entiers de galettes végétales, de houmous, de tofu ou des traiteurs flexitariens, etc., comme ça peut être le cas dans certains quartiers de certaines grandes villes, mais comme ce n'est pas le cas partout. Il y a donc un enjeu crucial à rendre l'offre de produits végétaux et de produits animaux durables plus accessible, à la fois économiquement et géographiquement. Et donc, ça passe par des politiques publiques qui transforment cet environnement alimentaire et qui agissent donc sur l'offre et pas uniquement sur la demande. Ça passe notamment par des subventions et des mesures fiscales en faveur des produits durables, comme les légumineuses, les fruits et légumes, mais aussi en faveur des modes de production durables, donc les élevages extensifs, bio, en plein air, pour arriver finalement à réduire le prix à payer par le consommateur. Ça passe aussi par la réaffectation des aides de la politique agricole commune, la PAC, puisqu'il faut aussi aider les agriculteurs et les éleveurs dans leur transition vers des pratiques plus durables. Un autre outil indispensable, c'est mettre fin au financement public des élevages industriels, car c'est ce qui rend la viande industrielle si bon marché. Il faut aussi améliorer l'éthoria de la distribution des produits végétaux et animaux bio et durables, en particulier dans ce qu'on appelle les déserts alimentaires, donc c'est-à-dire les zones rurales et urbaines, où l'offre de produits de qualité est rare, voire absente, et aussi proposer davantage de plats sans viande dans la restauration collective, donc c'est tout l'enjeu de l'option végétarienne quotidienne, mais aussi de la restauration commerciale, même si ce dernier objectif est plus difficile à atteindre par les politiques publiques, même si ça peut passer par l'évolution de la formation des professionnels de cuisine, notamment pour les former à proposer davantage de plats sans viande qui soient à la fois savoureux et équilibrés. Donc, pour résumer, pour faire évoluer l'assiette, l'information et la communication sont nécessaires, mais pas suffisants. Il faut aussi donner les moyens aux consommateurs d'acheter des produits durables, donner les moyens aux agriculteurs et aux éleveurs de faire évoluer leurs pratiques vers plus de durabilité, et aussi améliorer l'environnement alimentaire pour garantir une meilleure accessibilité pour toutes et tous à des produits et à des habitudes alimentaires plus durables. Donc, si je devais proposer une mesure pour faire évoluer la politique climatique, ça serait mettre en place une véritable politique publique de diminution de la consommation de produits animaux, en particulier de viande, et aussi une réduction du cheptel industriel, tout en orientant la consommation vers des produits issus d'élevage durable sur le territoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît. Donc, ce qu'on peut retenir notamment de votre intervention, c'est qu'effectivement, pour faire évoluer les pratiques alimentaires et l'assiette du consommateur, notre sujet aujourd'hui, on a deux grands types de leviers, agir sur l'offre, mettre en place des filières qui soient durables et une ferme France qui soit
bas carbone et durable, et de l'autre côté, agir sur la consommation. Et donc, pour parler du volet offre, je vais donner la parole à Alice Scott de La Ruche qui dit oui pour nous raconter l'expérience du développement des circuits courts, donc de circuits de distribution alternatifs. Merci Lucille, bonjour à tous, et surtout merci Benoît pour ce panorama très complet que tu as dressé. Je vais pour ma part effectivement présenter ce qu'est l'expérience de La Ruche qui dit oui, qui existe depuis maintenant 10 ans, quels horizons on se fixe pour un développement plus durable à horizon 2030. J'aurai l'occasion de vous présenter une étude que nous avons menée sur l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre des circuits courts, et je développerai aussi quels sont les freins que nous avons rencontrés dans ce contexte, avant de revenir sur une proposition telle que l'exercice l'envisageait. Voilà, donc depuis 2011, La Ruche qui dit oui est en fait une plateforme web qui met en relation des producteurs locaux et des consommateurs. En France, quelques 5 000 producteurs et à peu près 120 000 membres qui consomment toutes les semaines à La Ruche. On a souhaité proposer cette interface technique pour permettre à des personnes qui pouvaient être proches mais qui n'étaient pas en relation, d'être en lien direct, en fournissant donc des outils et des services. L'enjeu, c'était que des communautés locales qui sont animées chez nous par des responsables de ruches puissent reprendre le contrôle de leur approvisionnement alimentaire. C'est vraiment pour remettre ainsi le monde de l'alimentation à l'endroit que nous existons depuis 10 ans maintenant. Ce qui nous définit en deux mots, c'est que notre offre est locale. Nos produits parcourent en moyenne 70 km. Et c'est juste dans la mesure où ce sont les producteurs qui connaissent le mieux leur mode de production, qui fixent leur prix et qui perçoivent directement 80% des ventes générées. Nous avons également une forte culture de l'alimentation à La Ruche et nous agissons beaucoup sur la pédagogie dans l'assiette. Alors qu'est-ce que j'entends par pédagogie dans l'assiette? D'abord tout simplement le fait qu'en recréant du lien entre ceux qui produisent et ceux qui mangent, on permet aux besoins, aux enjeux des uns d'être compris par les autres. À titre d'exemple, notre plateforme dans laquelle le producteur va renseigner chacun de ses produits offre une transparence sur les modes de production, puisque le producteur peut préciser par exemple des initiatives qu'il a prises sur le non-travail du sol, sur un sourcing des matières premières en local, par exemple, pour l'alimentation du bétail. Donc ça, c'est le premier élément clé de transparence pour servir la pédagogie. En second lieu, dès la création de la plateforme, nous avons en parallèle développé un média indépendant qui a une forte puissance d'action sur la transition alimentaire et qui promeut les nouveaux modes de consommation. Et à titre d'exemple, la semaine dernière, on a partagé une initiative dans la Drôme d'un atelier qui s'appelle l'atelier Chiche, où on peut apprendre à cuisiner autrement des protéines végétales. Le nombre de questions qui fusent depuis une semaine sur le sujet témoigne suffisamment de l'intérêt grandissant de nos lecteurs et je pense des consommateurs en général sur ces sujets. Et la pédagogie passe également par le fait que lorsque vous passez une commande à La Ruche, on a travaillé sur l'impact du panier et donc vous trouvez restitué le nombre de kilomètres parcourus par votre commande et le montant exact reversé au producteur. Pour ce qui est de notre horizon pour les 10 prochaines années, deux éléments à introduire très rapidement, et je pense que dans le débat on aura l'occasion d'y revenir, mais nous avons pour ambition de rendre encore plus accessible l'alimentation locale, et on vient de développer un service aux restaurants et aux cantines via le rapprochement avec une plateforme qui existait à Lyon qui s'appelle Via Terroir, et ce nouveau service s'intitule La Ruche qui dit oui chez les pros, puisque quand on sait que quelques 30 à 40% des repas ne sont pas pris à la maison, alors hors Covid évidemment, la situation est exceptionnelle, le consommateur n'est pas toujours l'acheteur, donc c'est extrêmement important
d'agir sur ce réseau des professionnels de l'alimentation et de la restauration collective. Et en second lieu, nous souhaitons également accompagner nos producteurs dans la transition agricole, soit en promouvant des projets qu'ils pourraient mener sur des financements, des plateformes de financement participatif, par exemple, mais on envisage d'aller également jusqu'au soutien financier sonnant et trébuchant par l'intermédiaire d'une association qui accompagnera nos producteurs dans la transition. Donc ça, c'était pour vous dresser un panorama rapide de qui nous sommes en tant qu'acteurs et pionniers des circuits courts. Et sur la question de l'impact environnemental, nous, nous recherchons activement en ce moment les indicateurs pour évaluer l'impact carbone de nos produits fermiers. Et on a un premier essai que je vais vous présenter brièvement, qui est une étude réalisée en 2020 par un cabinet qui s'intitule Quantis sur le cycle de vie, l'ensemble d'une analyse de cycle de vie d'une série de produits, pommes, pommes de terre, tomates, comté et porc, qui ont été comparés à un panier de la grande distribution. Donc, quels sont les enseignements de cette étude? Rapidement, on a pu évaluer qu'un panier de la ruche a à peu près moins 15% d'impact sur le réchauffement climatique qu'un panier du supermarché. Et il a moins 8% d'impact sur la qualité des écosystèmes ou encore moins 11% sur la conso en eau. Donc, je peux vous donner quelques exemples pour vous permettre de comprendre ces données. Le panier du supermarché, il a un impact plus fort sur ces items. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pertes, en fait, tout au long de la chaîne de distribution. Parce que les tomates, qui faisaient partie de l'échantillon, par exemple, en supermarché, elles ont plus de chances de provenir de cultures sous serre chauffée, qui nécessitent voilà, plus d'énergie et de l'importation. Et puis, parce que pour des phases intermédiaires de stockage et de mise en rayon, il y a davantage d'eau et d'énergie qui sont consommées. Par contre, comme Benoît le pointait, même si la phase de transport est moins importante hein, dans l'impact des émissions de gaz à effet de serre, bah, à la ruche, le transport a plus d'impact que le supermarché qui sera toujours, qui aura toujours un taux de remplissage plus optimisé et des retours et, voilà, qui ne se font pas à vide. Donc, nous, quelles conclusions on a tirées de cette première étude? Qu'on arrivait sur des notions pour arriver à ces analyses, il fallait récolter des infos extrêmement précises, très détaillées, qui pouvaient s'avérer complexes en fait pour les petits producteurs qui composent notre réseau. Ce sont des fermes ou des exploitations à taille humaine. Donc, c'était pas évident de récolter toutes ces infos. Et surtout, ça ne tient pas compte d'un impact qui pour moi est extrêmement important également, qui est l'impact social de l'activité. J'en viens parce qu'il me faut terminer ce déroulé sur une proposition qui n'est pas strictement de nous, mais qui a émergé d'un travail mené avec Green Lobby l'année dernière et des parlementaires. Et c'est une proposition qui a effectivement été soumise dans le cadre du plan de relance, qui était d'agir sur le prix. Et en particulier d'exonérer de TVA la vente directe de produits alimentaires. Voilà, proposition présentée par M. Guillaume Pelletier en février 2020. Merci beaucoup, Alice. Ce qu'on peut retenir notamment de votre intervention, c'est effectivement donc, cette question de l'importance du prix et de la rémunération des agriculteurs. Si ça vous intéresse, la table ronde juste après va notamment traiter des paiements pour services écosystémiques qui peuvent être une manière justement de rétribuer tous les impacts positifs que peuvent avoir les pratiques durables des agriculteurs. Puisqu'on retient aussi, c'est que malgré un grand nombre d'efforts pour réduire l'impact, finalement, en optimisant les produits, on arrive à avoir des résultats, au moins 15% d'impact en gaz à effet de serre, c'est déjà très bien. Mais il y a aussi un enjeu de changer, comme ce que disait Benoît, l'assiette, la composition de l'assiette, et pas seulement rendre les produits plus durables. Pour inciter les consommateurs à changer leur comportement, leur assiette, ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de les inciter à changer de régime. Et là-dessus, la communication, l'information peuvent avoir un impact très important. Et c'est un levier sur lequel les acteurs privés ont une grosse responsabilité. Santé publique France a comptabilisé environ
même plus, d'un milliard d'euros de dépenses en publicité alimentaire en 2018, contre environ 700 000 euros de dépenses publiques pour des campagnes de sensibilisation, nutrition, santé. Donc c'est dire à quel point le privé a un poids là-dedans. Et donc pour en parler, Nathalie Ponce, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Lucille. Effectivement, la responsabilité, elle est importante. Et le lien entre communication et transition écologique et climat, il est de plus en plus adressé. Souvent d'ailleurs, on fait un lien un peu court et qui dit que la communication n'encourage pas suffisamment les bonnes pratiques et donc n'aide pas suffisamment, j'allais dire, les Français à bien comprendre ce qu'ils doivent faire pour effectivement encourager la transition écologique et donc avoir un impact favorable sur le climat. C'est vrai qu'on l'a vu par exemple avec une certaine proposition qui émanait de la Convention citoyenne. Et donc, à un moment donné, se poser et face à ces points, ça démontre, j'allais dire en creux, que la communication a effectivement un impact et que tout le sujet, c'est de mieux travailler, que ces industriels dont vous parlez, mais effectivement les agences, mais aussi les médias, travaillent ensemble, aient conscience de leurs responsabilités et agissent pour effectivement encourager les bonnes pratiques, les bonnes attitudes et les bonnes perceptions. Nous, on est convaincus effectivement que cette communication, elle est puissante, si elle est visible, mais on y reviendra. Mais effectivement, ça fait qu'aujourd'hui, il y a les questions de la responsabilité de la communication qui s'ouvrent, et selon nous, elles sont de trois ordres. Il y a déjà le premier sujet, c'est la responsabilité qu'ont les marques. Vous parlez donc d'industriels, effectivement, d'avoir une communication transparente, de mettre en place des systèmes et des publicités qui donnent la bonne information aux consommateurs sur la qualité du produit et donc qui donnent donc les bonnes informations. Mais à côté de ça, j'allais dire, même si un message est authentique, après derrière, c'est la puissance du message et donc il y a toute la question de la visibilité dans nos écrans, par exemple publicitaires et en télé. Nous on considère qu'on a une responsabilité pour encourager en fait les marques à promouvoir les produits qui sont les plus durables et qui vont effectivement à terme changer les assiettes des Français. Parce que si vous faites une communication mais qu'elle n'est pas visible, derrière l'impact qu'elle peut avoir au quotidien dans la majorité des Français, effectivement il va être limité. Donc nous, il y a tout un travail que l'on fait justement avec les industriels pour effectivement faire en sorte que les produits les plus durables soient ceux aussi qui soient le plus promus et pas uniquement ceux qui soient le plus achetés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous regardez, et c'est normal, les industriels, ils investissent en publicité sur les produits qui sont achetés, mais pas que en fait. Si je prends l'exemple par exemple de l'automobile et des voitures électriques, aujourd'hui la part dans les médias des publicités pour les véhicules hybrides, elle est beaucoup plus importante proportionnellement que la part des voitures hybrides qui sont vendues et donc par rapport aux parts de marché. Et ce travail-là, il faut aussi le faire. Il faut qu'on s'assure qu'à terme, que les produits bio aient une place en matière de visibilité en médias qui soit plus importante, si vous voulez, qu'aujourd'hui les parts de marché. Donc, il y a vraiment un sujet de responsabilité de donner de la visibilité aux produits les plus durables. Donc, ça, c'est le premier point. Après, on a une responsabilité, effectivement, d'aider les consommateurs à changer leurs pratiques. Et pour ça, il faut leur donner des repères. Je vais prendre l'exemple qu'il y a eu avec le Nutri-Score. Le Nutri-Score, alors c'est effectivement extrêmement complexe à mettre en place.
complexe, mais ça donne des repères aux consommateurs qui sont assez simples. Et en fait, on s'est bien rendu compte que, parce qu'on a des chiffres qui le montrent, avant même que le Nutri-Score soit obligatoire dans la publicité, il est présent en fait en étiquetage. Et aujourd'hui, il y a 53% des Français qui disent que grâce au Nutri-Score, ça a fait, enfin, que le Nutri-Score a fait évoluer en fait leur acte d'achat. Donc, les projets qu'il y a autour effectivement de l'éco-score, alors qui est effectivement très complexe à monter parce que effectivement l'éco-score ne doit pas se limiter au carbon score et puis il faut effectivement il y a des problématiques sectorielles très très différentes, mais effectivement à un moment donné donner et communiquer en fait aux consommateurs des repères clairs qui soient véhiculés soit sur le packaging ou aussi en publicité, ça selon nous ça participe effectivement à éclairer le consommateur sur les comportements, les produits et les changements qu'il peut opérer. Puis après, selon nous, il y a un troisième niveau dans la responsabilité de la communication, c'est que, et particulièrement la publicité, c'est qu'en fait la publicité, elle véhicule une image de la société en fait. Alors très souvent et au début, on dit on limite la publicité, elle véhicule une image d'une société qui doit être heureuse, de bonheur, et on fait, on limite et on accuse souvent la publicité d'être extrêmement, j'allais dire limitative dans les messages qu'elle véhicule, dans les stéréotypes qu'elle véhicule, et que sa responsabilité en fait aujourd'hui, elle est de présenter à travers, j'allais dire, l'ensemble des publicités, une image non déformante de la société et une image qui aide le Français à se projeter dans ce que c'est que des modes de vie durables. On parlait effectivement de l'alimentation moins carnée, qui est notre sujet aujourd'hui parce qu'on se parle d'assiettes, mais il y a tout ce qu'on doit véhiculer sur l'autosolisme, sur les modes d'habitation. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, la publicité, elle a une responsabilité pour montrer en fait aux Français que c'est possible de se projeter dans une société avec des modes de vie plus durables. Il y a des travaux qui sont faits, par exemple, au sein de EPE, Entreprise pour l'environnement, où effectivement, des publicitaires comme Havas, des gens des médias, mais aussi des annonceurs, travaillent sur quels sont les 10 modes de vie durables, facilement applicables et qui pourraient être systématisés dans les publicités pour effectivement, globalement, avoir une communication qui rende possible non pas la transition écologique, mais bien les résultats de cette transition-là. Et donc, je crois que c'est ça sur lequel on travaille. Alors, en agence, ça nécessite effectivement de travailler beaucoup avec nos créatifs pour leur dire que incorporer dans leur réflexion et dans leur travail de créativité ces nouveaux imaginaires, ces nouveaux héros, c'est pas limiter leur créativité, mais en fait, au contraire, c'est la stimuler et que c'est que par ce biais-là, effectivement, qu'on arrivera en fait à rendre désirable ces nouveaux modes de vie. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, effectivement, il s'agit de proposer des imaginaires différents de ceux qu'on véhicule actuellement, notamment donc avec des assiettes moins carnées. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait à la télévision. Mais un autre endroit où on construit beaucoup les imaginaires, c'est aussi l'école, qui peut être justement avec la cantine un lieu où on agit à la fois sur l'offre en changeant les pratiques d'approvisionnement des cantines, mais aussi sur la demande en proposant des imaginaires différents via de la communication et de la pédagogie. Donc, pour parler plus spécifiquement de cette question des cantines, Madame la députée Michèle Crouzet, je vous laisse la parole. Ah, merci, merci Lucille, merci à vous toutes et vous tous. Voilà pourquoi, en fait, en plus, je me présente à vous aujourd'hui pour cette table ronde sur les 24 heures du climat. Eh bien, c'est parce que, avec un collègue député, je suis à l'origine d'un rapport sur une alimentation saine pour tous, pour répondre à un enjeu de santé publique. Alors, ce qui rejoint un petit peu tout ce qui a été dit là, c'est vraiment à propos concernant notre alimentation
est-ce qu'on doit, comment on doit l'appréhender aujourd'hui. Alors, pour écrire ce rapport, donc j'ai auditionné un professeur de géographie culturelle qui s'appelait Gilles Fumet à l'Université de Paris 4, et il disait que l'alimentation est liée à nos modes de vie, et cela pour comprendre pourquoi nous avons aujourd'hui en fait besoin d'une alimentation industrielle, et préciser que tout en restant attachés à une nourriture qu'ils partagent à table, les Français devraient accepter l'idée que leur mode de vie fait qu'ils ont besoin d'un autre type de nourriture qu'on appelle industrielle. Alors évidemment, elle s'est mise dans notre assiette, cette alimentation industrielle, et non seulement nous devons faire avec, mais surtout il va falloir qu'on travaille pour qu'elle nous propose des produits de bien meilleure qualité. Alors la nourriture industrielle fait que les industriels ont dû tellement œuvrer pour qu'on n'ait pas d'incidence alimentaire, que la sécurité alimentaire a été mise au premier plan au détriment d'une qualité nutritionnelle. Et ça, c'est ça qui est dommageable donc à notre santé. Et pour en revenir par rapport même au climat, si on est en moins bonne santé, on consomme trop de médicaments. Si on consomme trop de médicaments, en fait, après, on retrouve les résidus de ces médicaments dans la nature, ce qui n'est pas mieux non plus. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur cette dimension-là. Alors, bien sûr, donc ça s'est fait vraiment à ce détriment-là, et cette dérive de l'alimentation industrielle, elle a transformé en fait une grande partie des agriculteurs en simples fournisseurs de matières premières, ce qui est vraiment dommageable pour eux, et c'était pas le but, c'est pas le but recherché aujourd'hui, parce qu'on cherche justement à faire un peu marche arrière. Alors aujourd'hui, le consensus existe en matière de recommandations industrielles afin de rééquilibrer les régimes alimentaires pour le plus grand nombre. Pour ça, je pense évidemment aux enfants, aux adultes, mais aussi aux aînés, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les EHPAD, c'est aussi nécessaire. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que comment on réapprend à tout le monde ? Bien, la base, en fait, effectivement, c'est l'éducation. Et au niveau de l'éducation, il va falloir que effectivement on puisse redonner envie aux enfants déjà de trouver le moyen de bien manger, et que le moment du repas soit intégré comme un moment d'éducation. C'est-à-dire que c'est quand on va à la cantine, déjà on devrait être dans un lieu plutôt apaisé, dans un lieu où on a envie de manger un peu ce qu'on aime aussi, et puis donc d'expliquer aux enfants ce qu'on met dans leurs assiettes. Alors moi j'ai des cas concrets parce qu'en fait ça fait depuis plusieurs années que je vais rendre visite dans les écoles en début d'année pour leur rentrée, et on s'est rendu compte qu'il y avait des cuisiniers qu'on avait formés et qui au fait cuisinaient réellement et n'étaient pas simplement des ouvreurs de sachets pour réchauffer. Et donc non seulement ils cuisinaient vraiment, mais du coup les enfants, ils avaient plaisir à venir manger à la cantine. Et ce plaisir de venir manger à la cantine, ça se traduisait en écoutez, je mange mieux que chez moi. Alors c'est ça où, vous voyez, ça nous interpelle un tout petit peu, parce que justement chez eux, ils n'avaient peut-être pas cette opportunité-là. Et en plus, on sait que pour les enfants, souvent c'est des fois le repas de la cantine, c'est pour certains, le seul repas de la journée. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un équilibre alimentaire et une qualité pour sa croissance et pour sa santé à cet enfant qui soit présente dès cet instant-là. Alors, donc, du coup, il mettait en place des tas de choses. Moi, j'avais un cuisinier, par exemple, qui faisait un repas de tout pomme. Donc, j'avais un producteur de pommes qui n'était pas très loin. Les enfants, ils broyaient leurs pommes pour boire le jus de pomme. Le cuisinier avait fait des plats de l'entrée jusqu'au dessert à base de pommes. Il expliquait aux enfants, voilà, la pomme et puis qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Ils étaient vraiment ravis de cela, et ils le transportent chez eux, parce que comme le producteur de pommes se trouvait à proximité, eh bien, ils disaient aux parents, ben voilà, il faut manger des pommes, il faut, on va aller chercher des pommes chez notre producteur. Et vous voyez, tout cela, c'était vraiment très porteur. Il a fait la même chose avec des fromages. Les enfants qui n'avaient pas du tout l'habitude de manger des fromages, il leur a mis des plateaux de fromages, et les enfants, il leur a expliqué dans quel ordre manger les fromages, qu'est-ce qu'ils affectionnaient. Et les enfants avaient le droit de repasser autant de fois qu'ils voulaient. Donc, il y a des enfants qui sont passés 2-3 fois chercher des fromages parce qu'ils n'avaient jamais mangé de fromage comme ça. Et en plus, ça fait la promotion de notre gastronomie française et de leur apprendre que ça existe. Alors ça, moi, j'y crois beaucoup. Et en même temps, c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits. Et pour cela, pour que les cuisiniers puissent bien faire, eh bien, il faut qu'ils apprennent, mais non seulement ça, mais aussi il faut qu'ils aient des bons outils. Et l'investissement qui a été apporté dans pas mal de collectivités pour ouvrir des légumeries, pour leur permettre d'avoir aussi des approvisionnements, eh bien, c'est fondamental. Et à partir du moment où on est équipé, on peut se permettre de faire cela. Un autre exemple d'école, c'est carrément un maire dans une commune qui a insisté
qui s'est battu pour avoir justement une cantine qu'il avait lui-même envie de créer, avec vraiment un cuisinier et vraiment des produits locaux. Ça s'est tellement bien passé qu'en fait les parents amener les enfants dans ces écoles-là parce qu'on y mangeait bien. Donc, vous voyez comme quoi, en fait, il y a quand même aujourd'hui des mentalités qui sont modifiées et que les parents sont contents quand les enfants mangent bien à la cantine. Alors, vous allez dire, des fois, ça peut coûter cher de manger bien, plutôt du bio, du local, de préférence, et pas que parce que c'est pas possible, mais c'est très bien. Et on va dire, oui, mais ça a un coût et ça coûte trop cher. Alors, la base première, c'est de lutter contre le gaspillage. Et cette lutte contre le gaspillage, évidemment, permet aux gestionnaires d'améliorer donc ses achats. Et pour en revenir, tout à l'heure, on parlait, et je vous rejoins, de moins manger de produits carnés et d'avoir plus de protéines végétales. Alors, c'est vrai, les enfants, ben, c'est leur apprentissage, elle va commencer là. Et pour ça, alors, il y a une mesure qui a été prise et je ne l'affectionne pas particulièrement, c'est-à-dire c'est un repas sans viande. Alors, je me dis, pour moi, ce n'était pas le bon axe. Ce que j'aurais plutôt préféré, c'était de proposer, eh bien, à la cantine, on peut manger et des protéines végétales à chaque fois, et peut-être de la viande si on en a envie. Donc, du coup, le gestionnaire peut peut-être acheter peut-être moins de produits carnés parce que beaucoup d'enfants, certains enfants n'en prendront pas, mais de leur proposer une autre alternative. Et je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux. Mais bon, voilà, ça, c'est des choses qui pourraient être peut-être modifiées à l'avenir. Et donc, pour en revenir, c'est vrai que ce gaspillage-là, c'est la lutte contre le gaspillage, parce que pour avoir juste un chiffre, hein, c'est 40% de ce qui est consommé dans la restauration collective est jeté. Donc là, vous voyez, c'est vraiment significatif et il faut vraiment donc jouer là-dessus parce que toute cette viande qui est mise à la poubelle, eh bien effectivement, c'est des animaux qui on a tués et qui ça n'a servi à rien. Donc il faut vraiment lutter un peu plus contre ça et manger plutôt une bonne viande parce qu'on a aussi besoin de l'apport nutritionnel de la viande, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire zéro, mais comme ça a été souligné, il faut que ce soit un plaisir. Et quand j'ai fait le rapport, je me suis rendue à Bruxelles et à la Commission européenne. On devait auditionner d'autres personnes. Et en fait, à Bruxelles, ils me disaient, mais vous savez, la France, on compte sur vous, justement, pour améliorer l'alimentation en général dans la restauration collective et partout. Parce qu'il y a beaucoup de pays pour lesquels ça n'a pas du tout le même impact. En France, même si le temps du repas a diminué, on a quand même encore du temps au repas. Et ça, il faut réapprendre aussi dans les familles à être autour d'un repas, d'avoir préparé ensemble le repas et d'apprécier de manger ce qu'on mange et d'avoir tous participé à le faire. Et ils comptaient vraiment sur nous pour le faire. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aider les industriels et puis d'aider dans l'apprentissage pour que des améliorations soient faites. Alors, donc, il faut bien manger. Et le plaisir de bien manger, et pour ça, c'est comme je disais, c'est qu'il faut offrir donc une variété aux enfants et à l'éducation et leur apprendre comment ça a poussé aussi, comment ça vient à notre assiette. Et je pense qu'avec ça, on va renouer dans les nouvelles générations sur des produits déjà de meilleure qualité avec un vrai plaisir de manger. Merci. Merci beaucoup, Madame Touzet. Donc, effectivement, on retient aussi cette proposition de faire du moment du repas à l'école un moment de pédagogie. Donc avant de vous poser moi-même des questions et d'essayer de passer à une séquence plus d'échange entre vous, j'aurais aimé savoir si vous auriez les uns les autres des questions ou des points sur lesquels vous souhaitiez rebondir par rapport à ce qui a été dit par les autres intervenants. Donc. Non, a priori non, enfin, à moins que vous me fassiez un signe. Et du coup, je vais peut-être vous proposer de revenir, vous me direz qui voudra intervenir en premier sur le sujet, mais autour de cette question de l'affichage environnemental qui a été abordée, qui est effectivement de pouvoir indiquer sur le produit, que ce soit pour les consommateurs ou même pour la restauration en général, d'afficher sur les produits leur score, leur note, par rapport à des enjeux environnementaux et notamment d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour vous, est-ce que c'est... Alors, Nathalie, vous êtes
portée favorable. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, que c'est trop difficile à mettre en place, que il vaut mieux favoriser, je sais pas, la communication en général plutôt qu'un affichage produit par produit? Qui veut se lancer là-dessus? Ce que je voulais montrer, enfin moi on s'est repéré en fait à des bonnes expériences, et c'est vrai que là en tout cas sur le Nutri-Score, il avait été imaginé effectivement, la problématique, l'enjeu c'était l'obésité et particulièrement l'obésité des enfants, et effectivement il fallait mettre en place, trouver des solutions en matière de communication pour faire changer les comportements et faire en sorte que les enfants et plus globalement les Français mange mieux, pour effectivement faire en sorte que la part d'obésité dans la société diminue. Mais il y a eu, j'allais dire le Nutri-Score, mais il y a eu plein d'autres initiatives ou solutions qu'on a essayé de mettre en place pour effectivement encourager les bonnes pratiques. C'était aussi par exemple le rôle des messages sanitaires, les fameux 5 fruits et légumes par jour, les fameux manger moins gras, moins salé, etc. Et le Nutri-Score, au final, est arrivé plus tardivement, aussi parce que c'est des outils de communication qui sont difficiles à mettre en place, parce que là où, j'allais dire, il faut donner des repères en fait, aux Français, parce que c'est extrêmement complexe en fait, de savoir quand on fait ses courses qu'il faut acheter, pas acheter, il faut que j'achète pour la santé ou il faut que j'achète pour la planète, et est-ce qu'en fait les produits que j'achète, ils sont bons pour les deux, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté pour les Français de savoir exactement ce qu'ils doivent faire, et d'autant plus qu'il y a ce sujet-là, et il y a bien entendu le sujet du pouvoir d'achat, du prix et du coût en fait. Maintenant, ce qui est certain, c'est que, en tout cas avec le Nutri-Score, il y a des résultats qui montrent que ça a eu un impact sur l'achat. 53% des Français nous disent qu'effectivement, ça leur permet de... ça fait changer ce qui se passait quand ils faisaient des courses dans les magasins. Et en tout cas, aujourd'hui, sur cette problématique plus particulière de changer l'assiette pour que mes habitudes alimentaires aient un impact favorable sur le climat, c'est ça dont on se parle, aujourd'hui, les Français, je pense qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, avoir un système qui leur donne des repères, qui les aide effectivement à comprendre qu'il faut effectivement, bien entendu, éviter le gaspillage, mais que le bio ou que une alimentation moins carnée va dans le sens effectivement d'un changement de comportement favorable pour avoir un impact positif sur la planète et le climat. Aujourd'hui, c'est un outil qu'ils n'ont pas et qui pourrait les aider. Maintenant, après, se pose la question, cet outil, on le met où? Est-ce qu'on le met sur les packagings? Est-ce qu'on en fait une campagne, Benoît en parlait, plus grand public qui émanerait de l'État sur justement les grands comportements qu'il faudrait adapter? Est-ce qu'on l'impose aux industriels sur de la publicité? Et qu'est-ce qu'on fait après derrière? Parce qu'il faut surtout promouvoir les produits qui auraient un bon score. Et c'est ça le sujet, c'est-à-dire que plutôt que d'interdire des produits qui auraient des mauvais scores, il faut surtout mettre en place des systèmes qui favorisent la visibilité des produits qui ont des bons scores. Favoriser la visibilité, ça se joue bien sûr en médias, mais pas que. Okay. Ouais. D'accord. Et Benoît réagir également. Oui, merci. Oui, c'était en complément. Je pense que c'est un dispositif qui serait nécessaire, mais qui serait sans doute pas suffisant. Et là où ça serait intéressant, c'est d'avoir en parallèle de l'affichage environnemental une réelle campagne de communication de la part de l'État qui explique les différents enjeux, qui a à la fois les enjeux communs pour la santé et pour l'environnement, qui vont être de manger plus de produits végétaux, frais si possible, moins de produits animaux, plus de bio. Et que c'est dans cette optique-là qu'un affichage environnemental est intéressant et que surtout il n'y a pas d'opposition dans la plupart des cas entre ce qui est bon pour l'environnement et ce qui est bon pour la santé, et avec après d'autres enjeux qui sont aussi, une fois qu'on a repéré les produits qui étaient favorables à la santé et à l'environnement, faire en sorte de les rendre plus accessibles
par de la fiscalité, par des subventions, par un petit peu tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Effectivement, c'est un outil voilà, qui permettrait de flécher ou pas potentiellement de la fiscalité ou de l'argent public. Michel Crouzet, une réaction aussi là-dessus ? Oui, merci. Oui, effectivement, le professeur Herbert et son équipe, quand ils ont souhaité mettre en place le Nutri-Score, déjà, ça n'a pas été vraiment facile. Hein, ils l'ont fait, et c'est une bonne chose. Ils ont aussi réussi à emmener d'autres pays européens dans l'expérimentation. Hein. Et il faut savoir que les industriels n'étaient pas très favorables parce que, effectivement, comme vous expliquiez, Madame Ponce, c'était que, en matière de visibilité, dans les supermarchés, il y avait les industriels qui nous disaient qu'il faut qu'on fasse des emballages spécifiques pour qu'on mette dessus le Nutri-Score et que ce soit, vous savez, que ce soit visible. Et il y avait des pays qui refusaient le Nutri-Score, donc ça leur nécessitait d'avoir différents types d'emballages. Mais enfin bon. Mais en fait, l'impact favorable du Nutri-Score, c'était d'inciter les industriels à revoir juste notamment la composition de leurs produits et de limiter d'ailleurs aussi souvent les additifs qui sont plus ou moins vertueux quand même, il faut quand même beaucoup les limiter, c'est dans mon rapport, moins de sucre, moins de sel, moins de gras, mais en même temps limiter énormément les additifs. Et donc ça, c'est un point qui les a obligés à retravailler donc sur leur formulation de produits. Et ça, c'est un bon point. Par contre, il ne faut pas oublier que le Nutri-Score, c'est des recommandations pour une dose. De recommandations. Alors, à partir du moment où vous mangez trois fois plus du produit qu'il ne faudrait en manger de cornflakes, je sais pas, qui a un Nutri-Score A, mais si vous en mangez beaucoup trop, c'est forcément pas non plus forcément très bon à la santé. Donc, c'est un indicateur, mais pas suffisant. Alors là, effectivement, il faut bien prendre en compte qu'il faut aussi limiter sa consommation de produits parce que tout excès est forcément néfaste à la santé. Effectivement. Et justement, Alice Scott, est-ce que les agriculteurs avec lesquels vous travaillez appellent ce genre d'initiative pour pouvoir mieux valoriser leurs produits? Parce que pour l'instant, on a le label bio qui permet effectivement de vendre sa production à un prix supérieur au conventionnel, mais c'est un petit peu tout pour l'instant. Et peut-être que notamment dans l'agriculture de conservation, il n'y a pas vraiment de label qui permet une valorisation à la vente. Est-ce que voilà, c'est le genre d'initiative qui est appelé ou pas? Ben oui, bien sûr. Et en tout cas, ce que les agriculteurs viennent chercher chez nous, c'est cette capacité à rester maître de leurs débouchés et à fixer les prix qu'ils savent refléter au mieux tout le travail effectué en amont. Donc, c'est ce qui est extrêmement important dans tous les modèles de vente directe, en fait, quels qu'ils soient. Et pour moi, il est extrêmement important que les agriculteurs reprennent le contrôle et la maîtrise de leurs débouchés. Et de la même manière, il est très clé que les consommateurs que Nathalie Ponce décrit comme perdus hein, face à toutes ces injonctions et l'immensité des problématiques, il faut qu'ils puissent également, eux, reprendre le pouvoir sur leur approvisionnement alimentaire de façon éclairée. C'est en cela qu'un affichage, quel qu'il soit, est opportun. Et c'est ce que le Nutri-Score a très bien permis, notamment avec le concours d'applications comme Yuka, qu'on a vu avoir un impact très très clé sur les achats des ménages. On en revient aussi à cette tension qu'il peut y avoir entre d'un côté mieux valoriser les productions de manière à rémunérer correctement les agriculteurs et les pratiques qu'ils mettent en place, et de l'autre côté comment rendre plus accessible une alimentation de qualité. Donc Michel Crouzet, vous évoquiez le levier de la lutte contre le gaspillage pour faire des économies et transformer ces économies en gains en qualité. Est-ce que vous voyez d'autres pistes pour améliorer cette accessibilité économique, notamment des ménages en situation de précarité? Je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus. Michel Crouzet, oui. Oui, je vais me permettre aussi parce que des fois on pense toujours parce que c'est bio, c'est local, c'est forcément cher, mais je pense qu'il y a beaucoup de ménages, alors
je ne vais pas dire grâce parce que c'est pas très bien, mais le Covid a pu mettre d'ailleurs en avant des fois des producteurs locaux, et les gens se sont rendus compte que le producteur local, eh bien, quand vous achetez un kilo de pommes, bah, des fois on en remet une de plus. Enfin, c'est un peu comme au marché, mais je veux dire, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient profiter aussi de certains avantages dans leur de proximité. Et le fait qu'il y ait moins d'intermédiaires, moi j'ai un magasin, on a plusieurs. Donc d'entre vous peut-être à des magasins de circuits courts à côté de chez eux. Et effectivement, le fait que ce soit les agriculteurs qui viennent vendre leurs produits ou leurs conjoints ou des amis, eh bien en fait, on se rend compte que voilà, ben on s'y retrouve au niveau du panier de la ménagère. Et ça, c'est très important. Et le fait d'ouvrir ces boutiques, il y en a même qui sont ouvertes à proximité de grands supermarchés, et en fait les gens venaient d'abord dans ces boutiques-là et allaient finir leur offre dans les supermarchés. Et je trouve que c'est une bonne initiative. En fait, ils sont collés aux supermarchés, et les supermarchés ça les perturbe même de voir ces producteurs locaux s'installer à côté de chez eux, parce que justement ça leur profite moins. Et du coup, quand vous allez acheter que chez un producteur local comme ça, avec eh bien vous achetez que ces produits-là et vous achetez que de l'alimentation. Quand vous allez en supermarché, ben en fait, le trajet est très bien fait. Vous passez d'abord devant le rayon des vidéos, des jouets, des choses comme ça. Et après, le consommateur n'a plus d'argent pour aller acheter les produits frais qui se retrouvent à l'autre bout du magasin. Donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu perdu à ce niveau-là. Et le fait d'avoir des magasins de plus en plus des spécialisés, en fait, on se rend compte qu'on y gagne forcément dans le porte-monnaie aussi. C'est vrai, tout à fait. Donc, il y a effectivement aussi cet enjeu de peut-être transférer une partie de son budget vers l'alimentation à nouveau, puisqu'on sait que le budget alimentaire des ménages français n'a... consommation de certains produits qui sont onéreux, soit des produits ultra transformés, soit des produits carnés par exemple. On peut ensuite reporter les gains qu'on a pu faire pour acheter des produits de meilleure qualité. Et on a cette étude assez intéressante de WWF qui montre qu'une assiette qui est bio et flexitarienne ne coûte pas plus cher qu'une assiette conventionnelle par le rééquilibrage et la baisse de la consommation des produits animaux notamment. Voilà, donc pour conclure un petit peu sur ce point, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place à la fois par l'offre et par la demande pour essayer de gérer au mieux cette tension entre rémunération des pratiques durables et bas carbone et puis la capacité pour tous de s'alimenter correctement et selon son budget. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre table ronde, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous et à toutes pour ces échanges très riches et très intéressants. Donc on laisse la main pour la table ronde suivante, qui va parler justement plus du côté offre des agriculteurs et notamment aussi des enjeux de rémunération. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup.